mais la quantité de travail inscrit dans le prix des choses n'était rien de plus qu'un instrument de mesure à la fois relatif et réductible. Le travail d'un homme, en effet, valait la quantité de nourriture qui était nécessaire à lui et à sa famille pour les entretenir pendant le temps que durait l'ouvrage. Si bien qu'en dernière instance, le besoin, la nourriture, le vêtement, l'habitation définissaient la mesure absolue du prix du marché. Tout au long de l'âge classique, c'est le besoin qui mesure les équivalences. La valeur du sage qui sert de référence absolue aux valeurs d'échange. C'est la nourriture qui juge les prix, donnant à la production agricole, au blé et à la terre, le privilège qui tous leur ont reconnu. Adam Smith, n'avant pas inventé le travail comme concept économique, puisqu'on le trouve déjà chez Kentian, chez Quesnay, chez Condillac. Il ne lui fait même pas jouer un rôle nouveau, car il s'en sert lui aussi comme mesure de la valeur d'échange. Le travail est la mesure réelle de la valeur échangeable de toute marchandise. Mais il le déplace. Il lui conserve toujours la fonction d'analyse des richesses échangeables. Cette analyse, cependant, n'est plus un pur et simple moment pour ramener l'échange aux besoins et le commerce aux gestes primitifs du troc. Elle découvre une unité de mesure irréductible, indépassable et absolue. Du coup, les richesses n'établiront plus l'ordre interne de leur équivalence. Par une comparaison des objets à échanger, ni par une estimation du pouvoir propre à chacun des représente un objet de besoin. Et en dernier recours, le plus fondamental de tout, la nourriture. Elles se décomposeront selon les unités de travail qui les ont réellement produits. Les richesses sont toujours des éléments représentatifs qui fonctionnent
mais ce qu'il représentant finalement, ce n'est plus l'objet du désir, c'est le travail. Mais aussitôt, deux objections se présentant. Comment le travail peut-il être mesure fixe du prix naturel des choses, alors que lui-même a un prix et qui est variable? Comment le travail peut-il être une unité indépassable, alors qu'il change de forme et que le progrès de manufacture le rend sans cesse plus productif en le divisant toujours davantage? Or, c'est justement à travers ces objections et qu'on parle leur truquement qu'on peut mettre au jour l'irréductibilité du travail et son caractère premier. Il y a, en effet, dans le monde des contrées et dans une même contrée des moments où le travail est cher. Les ouvriers sont peu nombreux, les salaires élevés, à l'heure ou en d'autres moments, la main d'œuvre abonde, on la rétribue mal. Le travail est à bon marché. Mais ce qui se modifie dans ces alternances, c'est la quantité de nourriture qu'on peut se procurer avec une journée de travail. S'il y a peu de denrées, il y a beaucoup de consommateurs. Chaque unité de travail ne sera récompensée que par une faible quantité de subsistance. Elle sera en revanche bien payée si les denrées se trouvant en abondance, ce ne sont là que les conséquences d'une situation de marché. Le travail lui-même, les heures passées, la peine et la fatigue sont de toute façon les mêmes. Et plus il faudra de ces unités, plus les produits seront coûteux. Les quantités égales de travail sont toujours égales pour celui qui travaille. Et pourtant, on pourrait dire que cette unité n'est pas fixe, puisque pour produire un seul et même objet, il faudra, selon la perfection des manufacteurs, c'est-à-dire selon la division du travail qu'on a instauré, un labeur plus ou moins longue, mais à dire vrai, ce n'est pas le travail en lui-même qui a changé,
c'est le rapport de travail à la production dont il est susceptible. Le travail, entendu comme journée, peine et fatigue, est un numérateur fixe. Sous le dénominateur, le nombre d'objets produits est capable de variation. Un ouvrier qui aurait affaire à lui toute seule les 18 opérations distinctes que nécessite la fabrication d'une épingle n'en produirait sans doute pas plus d'une vingtaine dans tout le corps d'une journée. Mais 10 ouvriers qui n'auraient à accomplir chacune qu'une ou deux apparitions pourraient faire entre eux plus de 48 milliers d'épingles dans une journée. Donc, chaque ouvrier faisant une dixième partie de ce produit peut être considéré comme faisant dans sa journée 4800 épingles. La puissance productrice du travail a été multipliée dans une même unité. La journée d'un salarié, les objets fabriqués se sont accrus. Leur valeur d'échange va donc baisser, c'est-à-dire que chacun d'entre eux ne pourra à son tour acheter qu'une quantité de travail proportionnellement moindre. Le travail n'a pas diminué par rapport aux choses. Ce sont les choses qui se sont comme rétrécies par rapport à l'unité de travail. Il est vrai en échange parce qu'on a des besoins. Sans eux, le commerce n'existerait pas, ni non plus le travail, ni surtout cette division qui le rend plus productif. Inversement, ce sont les besoins, quand ils sont satisfaits, qui bornent le travail et son perfectionnement. Puisque c'est la faculté d'échanger qui donne lieu à la division du travail, l'accroissement de cette division doit par conséquent toujours être limité par l'étendue de la faculté d'échanger. Ou en d'autres termes, par l'étendue du marché. Les besoins et l'échange des produits qui pouvant y répondre sont toujours les principes de l'économie. Ils en sont le premier moteur et ils la circonscrivent. Le travail et la division qui l'organise n'en sont que des effets. Mais à l'intérieur de l'échange, dans l'ordre des
des équivalences. La mesure qui établit les égalités et les différences est d'une autre nature que le besoin. Elle n'est pas liée au seul désir des individus, modifiée avec lui, et variable comme lui. C'est une mesure absolue. Si on entend par laquelle ne dépend pas du corps des hommes ou de leur appétit, elle s'impose à eux de l'extérieur. C'est leur temps et c'est leur peine. Par rapport à celle des prédécesseurs, l'analyse de Adam Smith représente un décroquage essentiel. Elle distingue la raison de l'échange et la mesure de l'échangeable. La nature de ce qui est échangé et les unités qui en permettent la décomposition. On échange parce qu'on a besoin et les objets précisément dont on a besoin. Mais l'ordre des échanges, leur hiérarchie et les différences qui s'y manifestent sont établies par les unités de travail qui ont été déposées dans les objets en question. Si pour l'expérience des hommes, au niveau de ce qui va incessamment s'appeler la psychologie, ce qu'ils échangent, c'est ce qui leur est indispensable, commode ou agréable. Pour l'économiste, ce qui circule sous la forme de choses, c'est du travail. Non plus des objets de besoin qui se représentent les uns les autres, mais du temps et de la peine transformés, cachés, oubliés. Ce décroquage est d'une grande importance. So, Adam Smith analyse encore. Comme ses prédécesseurs, ce champ de positivité que le XVIIIe siècle a appelé les richesses. Et par là, il entendait, lui aussi, des objets de besoin, dont les objets d'une certaine forme de représentation. Se représentant eux-mêmes dans les mouvements et les processus de l'échange. Mais à l'intérieur de ce redoublement, et pour en régler la loi, les unités et les mesures de l'échange. Il formule un principe d'ordre qui est irréductible.
susceptible à l'analyse de la représentation. Ils mettent à jour le travail, c'est-à-dire la peine et le temps. Cette journée qui à la fois découpe et use la vie d'un homme. L'équivalence des objets du désir n'est plus établie par l'intermédiaire d'autres objets et d'autres désirs, mais par un passage à ce qui leur est radicalement hétérogène. S'il y a un ordre dans les richesses, ceci peut acheter cela. Si l'or vaut deux fois plus que l'argent, ce n'est plus parce que les hommes ont des désirs comparables. Ce n'est pas parce que, travers leur corps, ils éprouvent la même femme, ou parce que leur corps a tout obéi au même prestige. C'est parce qu'ils sont-ils soumis au temps, à la peine, à la fatigue et en passant à la limite, à la mort elle-même. Les hommes échangeant parce qu'ils éprouvent des besoins, éprouvant des besoins, needs, et des désirs, needs and desires. Mais ils pouvant échanger et ordonner ces échanges parce qu'ils sont soumis au temps et à la grande fatalité extérieure. Quant à la fécondité de ce travail, elle n'est pas due tellement à l'habileté personnelle ou au calcul des intérêts. Elle se fonde sur des conditions, elle aussi extérieur à sa représentation, progrès de l'industrie, accroissement de la division de tâches, accumulation de capital, partage de travail productif et de travail non productif. On voit de quelle manière la réflexion sur les richesses commence. Avec Adam Smith à déborder l'espace qui lui était assigné à l'âge classique. On l'a logé alors à l'intérieur de l'idéologie, de l'analyse de la représentation. Désormais, elle se réfère comme de biais à deux domaines qui, échappant l'une comme l'autre aux formes et aux lois de la décomposition des idées. D'un côté, elle pointe déjà vers une anthropologie qui met en question l'essence de l'homme, sa finitude, son rapport au temps, l'imminence de la mort,
et l'objet dans lequel il investit les journées de son temps et de sa peine sans pouvoir y reconnaître l'objet de son besoin immédiat. Et de l'autre, il indique encore à vide la possibilité d'une économie politique qui n'aurait plus pour objet l'échange des richesses. Et le jeu des représentations qui les fondent, mais leur production réelle, forme du travail et du capital. On comprend comment entre ces positivités nouvellement formées, une anthropologie qui parle d'un homme rendu étranger à lui-même et une économie qui parle de mécanisme extérieur à la conscience humaine. L'idéologie ou l'analyse des représentations se réduira à n'être plus bientôt qu'une psychologie, tandis que s'ouvre en face d'elle, en contre elle, et le dominant bientôt de tout ce autour la dimension d'une histoire possible. À partir de Smith, le temps de l'économie ne serait plus celui cyclique des appauvrissements et des enrichissements. Ce ne sera pas non plus accroissement linéaire des politiques habiles qui, en augmentant toujours légèrement les espèces en circulation, accélérant la production plus vite qu'élevant les prix. Ce sera le temps intérieur d'une organisation qui croit selon sa propre nécessité et se développe selon des lois autochtones. Le temps du capital et du régime de production. Part 3. L'organisation des êtres. Dans le domaine de l'histoire naturelle, les modifications qu'on peut constater entre les années 1775 et 1795 sont du même type. On ne remet pas en question ce qui est au principe des classifications. Celles-ci ont toujours pour fin de déterminer le caractère qui groupe les individus et les espèces dans des unités plus générales, qui distinguent ces unités les unes des autres et qui leur permettent enfin de s'emboîter de manière à former un tableau où tous les individus et tous les groupes connus
ou inconnus pourront trouver leur place. Ces caractères sont prélevés sur la représentation totale des individus. Ils sont sans l'analyse et permettant, en représentant ces représentations, de constituer un ordre, les principes généraux de la taxonomie, ceux même qui, ayant commandé les systèmes de Tournefort et de Linné, la méthode de Adenson, continuant à valoir de la même façon pour A.L. de Jussieu, pour Vic d'Azyr, pour Lamarck, pour Kendall. Et pourtant, la technique qui permet d'établir le caractère, le rapport entre structure visible et critères de l'identité sont modifiés tout comme ont été modifiés par Adam Smith les rapports du besoin ou du prix. Tout au long du XVIIIe siècle, les classificateurs ayant établi le caractère par la comparaison des structures visibles, c'est-à-dire par la mise en rapport d'éléments qui étaient homogènes puisque chacun pouvait, selon le principe ordinateur qui était choisi, servir à représenter tuent les autres. La seule différence résidait en ceci que pour les systématiciens, les éléments représentatifs étaient fixés d'entrée de jeu. Pour les méthodistes, ils se dégageaient peu à peu d'une confrontation progressive. Mais le passage de la structure, décrite au caractère classificateur, se faisait entièrement au niveau des fonctions représentatives, que le visible exerçait à l'égard de lui-même. À partir de Jussieu, de Lamarck et de Vic d'Azyr, le caractère, ou plutôt la transformation de la structure en caractère, va se fonder sur un principe étrange. Au domaine du visible, un principe interne irréductible au jeu, réciproque des représentations. Ce principe, auquel correspondent dans l'ordre de l'économie le travail, c'est l'organisation comme fondement des taxonomies. L'organisation apparaît de quatre façons différentes.
comme fondement des taxonomies, l'organisation apparaît de quatre façons différentes. Number one, d'abord, sous la forme d'une hiérarchie des caractères. Si en effet, on n'étale pas les espèces les unes à côté des autres, et dans leur plus grande diversité. Mais si on accepte, pour délimiter tout de suite le champ d'investigation, les larges groupements qu'impose l'évidence, comme les graminées, les composés, les crucifères, les légumineuses pour les plantes ou pour les animaux, les vers, les poissons, les osiers, les quadrupèdes. On voit que certains caractères sont absolument constants et ne manquent dans aucun des genres. Aucune des espèces qu'on peut y reconnaître. Par exemple, l'insertion des étamines, leur situation par rapport au pistil, l'insertion de la corolle quand elle porte les étamines, le nombre de lobes qui accompagnent l'embryon dans la semence. D'autres caractères sont très fréquents dans une famille, mais n'atteignant pas le même degré de constance. C'est qu'ils sont formés par des organes moins essentiels. Nombre de pétales, présence ou absence de la corolle, situation respective du calice ou du pistil. Ce sont les caractères secondaires sub-uniformes. Enfin, les caractères tertiaires semi-uniformes sont tantôt constantes et tantôt variables. Structure monophile ou polyphile du calice. Nombre de loges dans le fruit. Situation des fleurs et des fruits. Nature de la tige. Avec ces caractères semi-uniformes, il n'est pas possible de définir des familles ou des ordres. Non pas qu'ils ne soient point capables, si on les appliquait à toutes les espèces, de former des entités générales. Mais parce qu'il ne concerne pas ce qu'il y a d'essentiel dans un groupe d'êtres vivants. Chaque grande famille naturelle a des réquisites qui la définissent et les caractères qui permettent de la reconnaître. Sont les plus proches de ces conditions fondamentales. Ainsi, la reproduction étant la fonction majeure de la plante, l'embryon en sera la partie la plus importante.
et on pourra répartir les végétaux en trois classes. Acotylédone, monocotylédone et dicotylédone. Sur le fond de ces caractères essentiels et primaires, les autres pourront apparaître en introduire des distinctions plus fines. On voit que le caractère n'est plus prélevé directement sur la structure visible et sans autre critère que sa présence ou son absence. Il se fonde sur l'existence de fonctions essentielles à l'être vivant et sur rapport d'importance qui ne relevant plus seulement de la description. Les caractères sont donc liés à des fonctions et un sens en revient à la vieille théorie des signatures ou des marques qui supposaient que les êtres portaient au point le plus visible de leur surface. Le signe de ce qui était en eux le plus essentiel. Mais ici, les rapports d'importance sont des rapports de subordination fonctionnelle. Si le nombre de cotylédones est décisif pour classer les végétaux, c'est parce qu'ils jouent un rôle déterminé dans la fonction de reproduction et qu'ils sont liés par la même à toute l'organisation interne de la plante. Ils indiquent une fonction qui commande toute la disposition de l'individu. Ainsi, pour les animaux, Vic Dazir a montré que les fonctions alimentaires sont sans doute les plus importantes. C'est pour cette raison que des rapports constants existant entre la structure des dents, des carnivores et celle de leurs muscles, de leurs doigts, de leurs ongles, de leur langue, de leur estomac, de leur intestin. La caractère n'est donc pas établi par un rapport de visible à lui-même. Il n'est en lui-même que la pointe visible d'une organisation complexe et hiérarchisée où la fonction joue un rôle essentiel de commande et de détermination. Ce n'est pas parce qu'il est fréquent dans les structures observées qu'un caractère est important. C'est parce qu'il est fonctionnellement important qu'on le rencontre souvent, comme le fera remarquer Cuvier. Résumant l'œuvre des dernières grandes méthodistes du siècle, Cuvier, à mesure qu'on s'élève vers
les classes les plus générales, plus aussi les propriétés qui restant communes sont constantes, et comme les rapports les plus constants sont ceux qui appartiennent aux parties les plus importantes. Les caractères des divisions supérieures se trouveront tirés des parties les plus importantes. C'est ainsi que la méthode sera naturelle puisqu'elle tient compte de l'importance des organes. Number three, on comprend dans ces conditions comment la notion de vie a pu devenir indispensable à la mise en ordre des êtres naturels. Elle l'est devenue pour deux raisons. D'abord, il fallait pouvoir saisir dans la profondeur du corps les rapports qui liant les organes superficiels à ceux dont l'existence et la forme cachée assurant les fonctions essentielles. Ainsi, Storr propose de classer les mammifères d'après la disposition de leurs sabots. C'est que celle-ci est liée au mode de déplacement et aux possibilités motrices de l'animal. Or, ces modes à leur sont en corrélation avec la forme de l'alimentation et les différents organes du système digestif. De plus, il peut se faire que les caractères les plus importants soient les plus cachés, déjà dans l'ordre végétal. On a pu constater que ce ne sont pas les fleurs et les fruits. Parties les mieux visibles de la plante, qui sont les éléments significatifs, mais l'appareil embryonnaire et des organes comme cotylédone. Ce phénomène est plus fréquent encore chez les animaux. Storr pensait qu'il fallait définir les grandes classes par les formes de la circulation et Lamarck, qui pourtant ne pratiquait pas lui-même la dissection, récuse pour les animaux inférieurs un principe de classement qui ne se fonderait que sur la forme visible. La considération des articulations du corps et des membres des crustacés les a fait regarder par tous les naturalistes comme de véritables insectes. Et j'ai moi-même longtemps suivi l'opinion commune à cet égard. Mais comme il est reconnu
que l'organisation et de toutes les considérations, la plus essentielle pour guider dans une distribution méthodique et naturelle des animaux, ainsi que pour déterminer parmi eux les véritables rapports. Il en résulte que les crustacés, respirant uniquement par des branchies à la manière des mollusques et ayant comme eux un corps musculaire, doivent être placés immédiatement après eux avant les arachnides et les insectes qui n'ont pas une semblable organisation. Classé ne sera donc plus référé le visible à lui-même. En chargeant l'une de ces éléments de représenter les autres, ce sera dans un mouvement qui fait pivoter l'analyse, rapporter le visible à l'invisible, comme à sa raison profonde, puis remonter de cette secrète architecture vers les signes manifestes qui en sont donnés à la surface des corps. Comme le disait Pinel, dans son œuvre de naturaliste, Pinel. S'en tenir au caractère extérieur, quoi les nomenclatures. N'est-ce point se fermer la source la plus féconde et instruction, et refuser, pour ainsi dire, d'ouvrir le grand livre de la nature qu'on se propose cependant de connaître. Désormais, le caractère reprend son vieux rôle de signe visible pointant vers une profondeur enfouie. Mais ce qu'il indique, ce n'est pas un texte secret, une parole enveloppée ou une ressemblance trop précieuse pour être exposée. C'est l'ensemble cohérent d'une organisation qui reprend dans la trame unique de sa souveraineté le visible comme l'invisible.